C'est pas de New, c'est de Steve Riley. Et en fait, c'était vraiment cajun, mais tu peux pas trouver plus cajun. D'ailleurs, si un jour tu as l'occasion d'écouter Steve Riley sur c'est génial. Et donc, une fois on répète, on dévie complètement et Olivier nous trouve un rift de guitare. Pour finir, on est resté sur ce rift. Un rift. Ah, j'aime bien dire rift. C'est comme un rift, mais. Non, parce qu'il y en a qui disent même des chips, alors que c'est des chips, moi je dis un rift. C'est vrai. Un rift de guitare. Et donc pour finir, on est resté dessus, et Tony s'est greffé, et puis comme la greffe a pris. Pardonnez. On est resté dessus, et c'est donc les vigilants. On était vigilants. Mmh. Et c'est des gars qui sont payés pour surveiller les jeunes filles. Un vigilant. En Louisiane, ça existe vraiment, donc c'est vrai que ce sont des personnes de sexe masculin, principalement, qui surveillent les jeunes filles pour pas qu'elles fassent des bêtises. Les premiers coups qui viennent. Moi, j'ai pas de jeune fille, donc. Donc ici, il y a 5 vigilants pour une jeune fille. Parce que le premier coup qui vient. Deux jeunes filles. Ah, c'est une fille. Oui, c'est une fille. La première fois qu'ils viennent, c'est pour te prendre, mais la deuxième, c'est pour te pendre. Ah ouais. Faut pas rigoler. La première, c'est pour me prendre. La deuxième, c'est pour me pendre. Oh, faut pas rigoler. Avec... Ils prennent des bâtons et... Ils sont pas nets, ces joueurs. Ils parlent de moi. Et ici, c'est la version vigilante anglaise. Et ils prennent, des bâtons. Allez, qu'est-ce que t'attends pour commencer? Attends, je parle tout le temps. Alors, tu commences, tu
jamais